Je m'appelle Lilian Mosé, je suis actuellement en licence professionnelle achat et commercialisation de produits industriels à l'international sur le site de l'IUT de Charleville-Mézières. J'effectue cette licence en alternance dans une forge qui s'appelle Stevenin-Olvaux à Haute-Rivière. Je suis dans le service commercial. Donc il faut savoir que l'entreprise réalise 80% de chiffre d'affaires à l'export. Et moi, mon but, c'est de dynamiser la présence en Italie. Donc pour ça, il faut savoir parler italien et anglais. Tout d'abord, j'effectue des traductions. Les offres types qui étaient en français, en allemand et en anglais, je les traduis en italien. J'ai fait un lexique des termes en italien. Et là, je m'occupe d'une base de données de prospects qui était déjà existante et je m'occupe de relancer ces prospects. C'est-à-dire que je fais une campagne de mailing où j'envoie un mail ciblé. Si j'ai des réponses, tant mieux. Si j'ai pas de réponse, je me programme une relance téléphonique, donc en italien cette fois-ci, pour essayer d'obtenir des demandes de prix de la part des acheteurs des entreprises et qu'on puisse vendre nos pièces. Le point positif de ce travail-là, c'est qu'avec mon tuteur, on a prévu de faire une tournée en Italie pour visiter les prospects. Donc c'est bien. Et on a prévu d'exposer sur un salon. Donc c'est les points positifs de ce métier-là. Hallo, ich bin Sonja. Hallo, ich bin Noémie. Nous allons vous parler de l'économie allemande. Alors l'Allemagne, c'est la quatrième puissance économique au rang mondial et la première au rang européen. Donc plusieurs grandes marques connues sont allemandes, telles que Zalando, Haribo, Audi, Nivea ou encore Bosch. Ces grandes entreprises appartiennent à plusieurs branches comme l'automobile, l'électronique, le commerce, où elle y est très attractive. De plus, elle excelle dans d'autres branches telles que la médecine, l'énergie ou encore la finance. Comme d'autres pays en Europe, l'Allemagne est un pays vieillissant, ce qui donne une opportunité pour les futurs emplois. Berlin est considérée comme une ville attirante d'un point de vue touristique et économique. Elle attire des jeunes entrepreneurs qui développent des startups, ce qui amène à dire que Berlin est devenu le nouveau Silicon Valley. De nombreuses entreprises françaises et principalement ardennaises sont constamment en recherche d'employés, ayant des connaissances en allemand. Une opportunité de plus. Allô, ich bin Nathan. Allô, ich bin Amel. Donc nous, on va vous présenter le déroulement des cours d'allemand. Donc si tu aimes les langues et l'actualité, le BTS Commerce International te correspond. Notamment dans le cours d'allemand, qui est constitué de 3 heures par semaine, dont 1 heure avec les deuxième années du BTS Commerce International. Dans ce cours, nous travaillons sous différents supports, tels que les vidéos, les textes, les images. Parfois, on fait même des débats. Et ces supports nous permettent d'acquérir des termes plus techniques du monde du travail. L'économie allemande occupe une grande place dans nos cours, car l'Allemagne fait beaucoup d'échanges avec les différents pays, comme la France, les Pays-Bas, la Chine, les États-Unis, etc. Et il y a de plus en plus d'entreprises allemandes qui sont présentes dans les différents pays, comme Zalando, BMW, Bosch, etc. Hallo, ich bin Clémence. Hallo, ich bin Maxime. Étant étudiant en commerce international, il est important de bien maîtriser les langues, comme l'allemand par exemple. Rien de tel qu'un stage en pays germanophone pour améliorer ses langues et sa culture. Alors, moi je vais partir en stage en Autriche. Donc je pars dans une petite ville autrichienne qui s'appelle Bad Kreuzern am Altstattersee. C'est à 1 heure de Salzbourg, donc Salzbourg c'est la ville de Mozart. Et je pars dans une entreprise qui fabrique des lunettes. En ce qui me concerne, moi je pars en stage en Allemagne, dans une petite ville qui s'appelle Konz. Donc c'est à 15 minutes de Trèves, donc connu pour son marché Noël. Je pars à Tarket, connu pour vêtements de sol. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Allemagne c'est un pays qui a la culture du stage. C'est très important pour nous de parler allemand parce que comme ça on peut faire notre stage de première année là-bas. Et puis aussi, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi en Allemagne. Donc notre stage, bah, peut-être qu'il va finir par être une offre d'emploi pour plus tard. Jingle! Allô, ich bin Thomas. Allô, ich bin Romain. Alors, avez-vous bien suivi la présentation?
nous allons vous faire un petit quiz. Alors Maxime, sais-tu ce que le BTCI offre comme débouché? Prof, responsable export ou boulanger? Assistant export. Bravo. Alors Stonio, quelle est la place de l'Allemagne dans l'économie mondiale? A, première. B, deuxième. C, quatrième. Quatrième. Bien joué. Nathan, quelle marque n'est pas allemande? Audi, Haribo ou Kinder? Kinder. Bonne réponse. Noémie. Oui. Quelle est la capitale de l'Allemagne? A, Paris. B, Dublin. C, Berlin. Berlin. Bonne réponse. Amel, combien de pays parlent l'allemand? Et quels sont-ils selon vous? 6, 2 ou 4? 6. Il y a d'abord l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse et le Liechtenstein. Bravo! Dernière question, Thomas. Quel est le meilleur lycée pour faire un BTS commerce international? Est-ce le lycée Pierre Bel ou bien le lycée Pierre Bel? Le lycée Pierre Bel. Gute Antwort. Venir à Pierre Bel pour en savoir plus, vous pouvez. Tchuss. Ça cache. La mobilitat d'estudis permet als estudiants de comerç internacional poder-se intercanviar per uns mesos amb alumnes de França. Atès als bons resultats formatius i d'inserció laboral, ara l'objectiu és ampliar la relació entre centres d'ensenyament als països com Alemanya i Anglaterra. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. La mobilitat d'estudis permet als estudiants de comerç internacional poder-se intercanviar per uns mesos amb alumnes de França. L'Institut Montserrat Roig de Terrassa i el Liceu Pierre Bel de Cervant ja han fet uns 30 intercanvis que han permès als estudiants conèixer millor un altre idioma i alhora descobrir noves formes d'aprenentatge. Atès els bons resultats formatius i d'inserció laboral, ara l'objectiu és ampliar la relació entre centres d'ensenyament a països com Alemanya i Anglaterra. L'Institut Montserrat Roig és un dels 5 centres de tot Catalunya que promou la mobilitat d'estudis, un programa que permet intercanvis amb estudiants de França. La mobilitat internacional d'alumnat que estem portant a terme en l'Institut Montserrat Roig i el Liceu Pierre Bel de Sedan
És, com a innovació, som un dels pocs centres a Catalunya que sí que estem fent la mobilitat d'estudis. La mobilitat de pràctiques la teníem ja bastant consolidada i un pas més ha sigut implantar durant aquest curs la mobilitat d'estudis i de la mateixa manera implantar i rebre professorat de l'ICP Arbel des de França. Primer vam començar amb intercanvi d'alumnes en pràctiques i als tres anys vam començar, l'any passat vam començar la mobilitat d'estudis, és a dir, que els alumnes van a l'Institut Partenaire a seguir les classes. Alumnes de grau superior de comerç internacional segueixen durant 3 mesos els seus estudis a l'Institut Pierre Bell, amb una immersió lingüística i cultural en francès. Durant 3 mesos estaran a l'Institut Pierre Bell 2 alumnes que estan cursant segon internacional a l'Institut Montserrat Roig, i al mateix temps estem rebent a un alumne de l'Institut Liceu Pierre Bel durant els mateixos 3 mesos, fins a Nadal. I aprenen un idioma, aprenen, veuen que en un altre país es pot fer les coses no millor, però sí diferentment, i aprens molt en aquest sentit. I també dona més currículum i després per trobar feina és molt més fàcil, o per seguir estudis també és un plus en el currículum. El benefici que s'han emportat, jo crec que és el més important i el més gratificant, ha sigut que tots estan treballant, la inserció laboral i més avui en dia en l'entorn econòmic i social que estem vivint, és un punt d'inflexió en el seu currículum i realment un punt diferencial respecte a la resta d'alumnat que cursa qualsevol altre cicle formatiu. L'Evelyn i el Marc són 2 alumnes terrassencs que en aquests moments estan estudiant a Sedan, una ciutat francesa a prop de Bèlgica. Que ha sigut tan bona experiència que ens hem sentit ràpidament com a casa. El que més sobti és l'idioma, que és molt diferent a l'hora de fer-nos entendre, però tot molt bé, molt bé. Per mi era més important era la família, perquè bueno, estem en una casa d'acollida, amb una família francesa. Per mi això era el més important, perquè és amb qui has de conviure 24 hores al dia pràcticament, i la veritat és que la família és supergenial, o sigui, estan molt atents per tu, et donen també tota la llibertat que tu vulguis. Com a recolzament, a l'hora de buscar treball, vaig veure una oportunitat prou única, perquè no és el mateix que anar-te'n a fer les pràctiques d'empresa, perquè ja fas una immersió total lingüística, o sigui, estàs amb la família parlant francès, en el col·le parla francès, arribes a casa i com has conegut a gent en el col·le, doncs parles amb aquesta gent en el col·le en francès. Els primers dies van ser desastrosos, perquè jo anava allà sense saber res de francès, sabia molt poc de francès, i clar, vaig arribar el primer dia, no entenia res, i estava la Evelyn, que era la meva companya, que sí que sabia una mica més i m'ajudava en tot. I vam acabar el dia amb mal de cap, inclús. L'intercanvi també permet als alumnes francesos aprofundir en el castellà i conèixer d'altres sistemes d'estudis. L'Antoni és un alumne francès que durant 3 mesos viu en una família d'acollida terrassenca mentre segueix els seus estudis al Montserrat Roig. La experiència aquí és molt benefica per a mi, jo crec. Estoy aquí para principalmente mejorar mi nivel en castellano. Yo creo que por el momento es bueno. En Francia tenemos un curso donde tenemos que hablar en castellano y forma parte de mi examen. Més de 30 alumnes, alguns dels quals amb feina, ja s'han beneficiat d'aquests intercanvis, un pas més a les habituals pràctiques en empreses. Per poder aprendre molt bé un idioma, treballar fora, guanyar una experiència i tenir un bon currículum, que això a dia d'avui és una cosa molt important. Agafes molta experiència a nivell també de com treballen empreses estrangeres, no com la forma que es treballa aquí. La manera també d'experiències i més responsabilitats a nivell personal és molt bo, perquè tu mateix creixes com a persona. Ens porta moltíssima feina perquè realment coordinar la mobilitat d'estudis no és tasca fàcil. Que la col·laboració sigui més que professional, també més personal, i que hi hagi relacions gairebé d'amistat. És més important el resultat general, que siguin bons alumnes i també bones persones amb motivació i voluntat d'integrar-se, d'aprendre.
Ara l'objectiu és ampliar els intercanvis a instituts d'Alemanya i Anglaterra i crear una xarxa on els alumnes puguin triar on practicar la seva mobilitat d'estudis. Comme différence principale entre la manière de faire d'ici et la manière de faire de l'Espagne. Ils sont plus autonomes, les élèves. Élèves sont plus autonomes. Ils sont plus proches des profs aussi. Ils sont donc deux à débarquer de leur séjour en Espagne, un séjour particulier, puisque Diego et Yanis y ont suivi des cours avec des notes comme leurs collègues restés dans les Ardennes. Une collaboration étroite que seulement quelques lycées en France ont mise en pratique. C'est une expérience vraiment très enrichissante à la fois en matière d'élèves, d'étudiants, d'apprentissage et aussi en tant qu'homme. On a appris plein de choses, on est sortis, on a un peu des études, mais ça va, c'était super intéressant. Les lycéens français qui rentrent d'Espagne, mais aussi des Espagnols qui sont actuellement dans les Ardennes. Ils sont en effet trois à poursuivre temporairement leurs études ici, avec également au programme un stage en entreprise. Qui a été complètement intégrée au sein de cette unité de production. C'est pour moi une expérience très importante que de faire mon stage ici en France. L'idée d'apprendre le français me plaît beaucoup. J'ai une très bonne impression générale de ce stage en France. J'apprends beaucoup sur la manière de travailler et je forge mon expérience. Cela peut être très important pour moi, pour mon futur. Le lycée Pierre Bel et quelques entreprises autour de Sedan fonctionnent donc main dans la main. Chacun y trouve en tout cas son compte. Ce n'est pas du tout une charge, on leur fait participer, ils sont complètement intégrés, immergés au travail. On ne prend pas des stagiaires juste pour faire des stagiaires, pour faire le café par exemple ou les photocopies. Ce n'est pas notre philosophie. À quelques semaines des élections européennes, la volonté des professeurs et chefs d'entreprise de poursuivre ces échanges reste intacte. Un exemple peut-être, mais surtout une piste à suivre pour imaginer l'école de ici, les étudiants sont obligés, apprennent le français, nos étudiants apprennent l'espagnol. Et il est important qu'ils apprennent évidemment l'anglais, c'est la langue normale, mais pour que l'Europe puisse s'entendre, il faut que les étudiants européens sachent au moins deux voire trois langues. Des séjours en Allemagne et en Angleterre sont également prévus. Les lycéens, qui sont donc notés par des professeurs étrangers au cours de ces partenariats, seront accompagnés d'enseignants qui, eux aussi, seront immergés dans cette Europe de l'éducation. Imagine that you're studying international trade in Spain and you love it. And imagine now that you have the opportunity to move on to France for 4 months to follow your studies there. Imagine that you arrive to that new country and you feel afraid, but you're excited too. You want to discover everything. Imagine that the French college is really cool and you meet a lot of people there. Imagine that they are hard-working students more than your colleagues in Spain, and also pretty funny. You realize that you felt nervous at the beginning, but now you know that it will be one of the most awesome experiences in your life. You really like this place and these people. Imagine that you live with a French family, that they treat you like another family member more, and they are absolutely nice people. Imagine that they teach you all the traditions, and you feel lucky to learn them. Imagine that you visit Paris, one of your favorite cities. Imagine that you go with some friends and you discover all the little places of the city, everything. Imagine that you can also travel to another country, Belgium for example. And imagine now that everything is real, that you can do it.
and you have already done it. Isn't that amazing? Now you realize that you will never be completely at home again, because part of your heart will always be elsewhere, in France. That is the price you pay for the richness of loving and knowing people in more than one place. Because now you know that Erasmus students arrive as a stranger and live as family. Le résumé de notre voyage en Italie se termine. Je voulais remercier les professeurs, Madame Mallet, Madame Le Breton et Monsieur Robles, ainsi que Monsieur Perrin, le directeur, pour leur investissement. Je voulais également remercier les familles d'accueil qui ont pris grand soin de nous lors de ce séjour. Également les étudiants qui ont pris part à cette petite vidéo, ainsi que Arnaud, le chauffeur des Carmeniers. C'était vraiment une super belle expérience, le voyage en Italie, que ce soit une expérience humaine, culturelle. C'était une ouverture vers le monde, et c'est ce que le BTS Commerce International vous propose. Donc j'espère vraiment que les futures promotions auront la chance de réaliser un aussi beau voyage. Merci pour votre attention.